I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Mesdames, messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Cyril Schwann. Je suis le chef du restaurant Cottage Marcadet. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer une caille rôtie sur son coffre de céleri aux deux pommes avec une saveur 40. Donc pour cela, vous avez besoin d'une caille de 250 g, de 150 g de pommes de terre rates, d'une pomme golden, de 50 g de céleri, de 25 g de beurre et de 50 g et 50 g de carottes, la première taillée en mirepoix et la deuxième juste en lamelles, ainsi que 25 g de sucre et, pour assaisonner, du sel et du poivre. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre la caille. Mesdames, messieurs, donc la préparation de la caille. Donc premièrement, nous allons la flamber. Cette étape consiste simplement à enlever toutes les petites plumes qui restent. Car lorsque vous l'achetez chez votre charcutier ou boucher ou volailler, celui-ci vous l'aura normalement totalement préparé. Et si on n'a pas le chalumeau à la maison, on ferait mieux sur les flammes, de la gagner. Tout à fait, monsieur Richard. En évitant de se brûler les doigts. Oui, car ça peut être dérangeant, on va dire. On sait que les chefs, vous avez l'habitude de vous supporter très bien la chaleur, mais nous autres... Donc, alors, à savoir, pour ne pas abîmer vos couteaux, nous allons tout simplement chercher la jointure, comme ceci. Donc, pas besoin de forcer, pas besoin de casser, il suffit juste de suivre l'articulation de la volaille. Comme vous le voyez, comme ceci. Donc nous allons venir. Donc ici, nous taillons la tête. Donc, celle-ci étant prête à être taillée. Donc maintenant, nous allons venir sur la dos et parcourir le long de la colonne vertébrale. Nous allons tout simplement enlever délicatement l'aile au niveau de l'articulation. Oui, Benjamin. Nous allons démarrer par enlever l'articulation. Délicatement, nous allons enlever la chair jusqu'à la cuisse. Et de nouveau, nous allons enlever l'articulation et finir d'enlever la partie supérieure. Après, nous allons attaquer la fin de la cage thoracique qui va nous amener sur le bas du ventre, comme ceci. Et nous allons reproduire identique de l'autre côté. Donc, je récapitule. Ici, nous enlevons l'articulation de l'aile. Nous continuons le long de la cage thoracique jusqu'à la cuisse et de nouveau, nous enlevons celle-ci comme ceci.
Donc, de nouveau, nous continuons derrière la cage thoracique. Mais alors, là, l'étape nécessite tout simplement de ne pas découper, de venir pincer le haut et de venir délicatement la décoller. Tout simplement pour ne pas avoir à déchirer la peau. Donc, maintenant, nous enlevons le reste des petits abats. Et nous allons enlever délicatement chacune des petites ailes. Bien sûr par l'intérieur pour ne pas perdre de chair. Comme ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à légèrement tailler la chair. Comme cela. Je vous remontre. Nous prenons l'intérieur, juste ici. Et venons tout simplement enlever le maximum de chair pour ne pas en perdre. Maintenant, quand ceci étant prêt, nous n'avons plus qu'à enlever ici l'os du haut de cuisse. Donc, venez gratter celle-ci, retournez-la, prenez tout simplement la chair et descendez avec votre couteau le long de l'os jusqu'à la jointure. Et là, comme tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de forcer. Celle-ci, ici, placez votre couteau comme cela et celle-ci sort directement. Je vous remontre. Donc, nous grattons, retournons et venons tout simplement continuer le long de l'os et finir à la jointure comme ceci. Et pour finir, maintenant, nous allons assaisonner et rajouter en interne le coffre de céleri que nous avons cuit préalablement. Et sans pour autant trop cuire la caille, en rajoutant un aliment en interne, comme le céleri, vous avez déjà infusé la caille au céleri, mais deuxièmement, vous allez pouvoir parfaire la cuisson. Donc, ceci étant dit, nous finissons de tailler le céleri. Comme cela, donc ni plus ni moins. Là, vous allez prendre un petit sautoir. Allumez votre gaz, bien sûr. Et nous allons faire doucement revenir le céleri. Ça c'est pas top, mais... Non, mais c'est pas grave, c'est... Dans champ de vision. Donc, comme je vous avais dit précédemment, nous avons 25 g de beurre. Nous n'allons pas utiliser la totalité pour cuire ni les pommes de terre, ni les pommes. Donc là, nous allons prendre l'équivalent de 10 g et nous en servir pour faire revenir le céleri. Le reste, bien sûr, est à conserver pour la fin de la cuisson. Donc, bien sûr, faites revenir tout simplement, délicatement, votre beurre. Qui commence à fondre, là nous allons chercher le céleri et nous allons le rajouter et le faire revenir tout doucement. À savoir qu'il ne faut pas totalement finir la cuisson car celui-ci va finir de cuire dans la caille. Donc, pendant que le céleri commence à cuire, nous allons nous occuper des pommes de terre tournées et des pommes tournées. Nous allons prendre des petites pommes de terre pâtes que nous allons tailler à chaque extrémité. Bien sûr, je vous conseille de les laver préalablement pour éviter tout désagrément avec je ne sais quel autre petit microbe. Donc vous allez prendre ceci et vous allez tout simplement les tailler de cette façon-là. En fait, ce qu'il faut, c'est biseauter la pomme. Ce qui s'appelle tourner, tout simplement. Donc en fait, vous pouvez la faire entre 5 et 7 faces, ce qui va vous donner ceci. Donc bien sûr, à concevoir sur l'ensemble des pommes de terre.
secondo, vous allez faire identique avec la pomme. Donc, au préalable, vous avez le choix de directement la laver, de la tailler. Donc, vous la taillez dans un premier temps en deux. Comme ceci. Donc, et vous allez faire des sortes de petits segments. Et ces petits segments vont vous servir à tailler tout simplement l'ensemble de votre garniture. Donc, on va venir et nous allons faire identique, comme pour les pommes de terre, des petites pommes tournées. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons donné une forme bien spécifique de petites pommes et petites pommes de terre tournées. Bien sûr, n'oubliez jamais que la pomme perd beaucoup d'eau et que il est préférable de les faire légèrement plus grandes que les pommes de terre, sinon au final vous n'aurez pas un résultat souhaité. Donc là, pendant que vous êtes en train de faire vos pommes, le céleri commence à revenir, comme vous pouvez le voir. Donc là, nous avons fini notre céleri. Le céleri, maintenant, légèrement rissolé, nous allons le récupérer. Et ceci va nous permettre de reconstituer notre coffre à l'intérieur de la caille. Donc nous allons prendre notre caille, tout simplement. Et cette caille, nous allons l'ouvrir. Recomposer l'intérieur en mettant les filets adéquats sur chaque partie. Et assaisonner légèrement de sel et de poivre. Ceci étant dit, vous allez prendre tout simplement le céleri, l'incorporer à l'intérieur de la caille et celle-ci, vous la refermez. Tout simplement comme ceci. Donc, si vous regardez bien, la caille a été entièrement reconstituée sans pour autant avoir ni trou ni aucune lésion. Donc, nous allons prendre un petit plat à rôtir et faire rôtir la caille tout simplement pendant que nous allons finir la garniture. Donc, la caille. Je préconise de ne pas utiliser de beurre car de temps en temps ça peut altérer, sachant qu'en fait, ayant utilisé du beurre pour faire le céleri va naturellement dégorger et faire revenir. Donc après il suffira juste de récupérer le jus de cuisson et l'arroser tout doucement, sans pour autant sans aucune graisse. Combien de temps Alors là nous allons arrêter à 180 degrés pendant l'équivalent de 15 minutes. Et ces 15 minutes vont nous servir à tout simplement cuire les pommes de terre, les pommes et finir notre garniture. Alors, dans un premier temps, nous allons concevoir la sauce. Donc, prenez l'équivalence de 50 g de carottes que vous allez tailler en petits morceaux. Une petite russe qui est là. Et 25 g de sucre. À ceci, vous allez mouiller à hauteur. Donc, qui dit mouiller à hauteur, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez la hauteur réelle du sucre et des carottes et vous mettez juste de l'eau à hauteur. Et là nous allons porter à ébullition tout simplement pour récupérer la saveur de la carotte sans pour autant en avoir ni les amertumes, car une carotte peut être amère si elle est brûlée. Donc là nous allons démarrer tout simplement nos carottes. Au bout de 20 minutes, nous avons retiré les carottes qui sont ici et nous allons faire tout simplement réduire tout simplement notre jus qui va devenir un tout petit sirop de carottes. Donc ça va nous faire tout simplement un petit caramel de carottes pour finir l'accompagnement de... En attendant, nous allons cuire les pommes de terre et les pommes. Donc, après avoir tourné nos pommes de terre et nos pommes, nous allons les faire tout simplement rissoler. Donc, nous allons reprendre le même petit plat que nous avons pris tout à l'heure pour le céleri et utiliser le reste de notre beurre. Donc, le reste du beurre dans notre petit sautoir. Et là, la différence, nous n'allons pas le faire simplement fondre, nous allons le faire revenir, nous n'allons pas le faire fondre, nous allons le faire devenir noisette. Donc noisette, il faut entendre le beurre chanter, hein. Exactement, il faut que, comme diraient les gens du sud, il faut que le beurre chante. Donc là, il chante, il commence. Il commence à chanter, mais ça ne veut pas dire qu'il chante, qu'il soit prêt. Donc c'est vrai que là, nous allons vraiment atteindre une coloration bien spécifique qui va nous amener tout simplement
à la caille. Car il faut savoir, c'est que là, ces pommes de terre et pommes vont finir de cuire avec la caille. Elles ne vont pas finir de cuire de leur côté. Donc, tous les produits vont prendre une essence de la caille sans pour autant être mélangés. Donc là, comme vous pouvez le voir, le beurre commence à devenir noisette. Donc comme vous pouvez le voir ici, le sirop de carotte s'est formé tout simplement en réduisant. Donc si vous regardez bien, pour à peu près un décilitre d'eau, nous avons obtenu l'équivalence de une grosse cuillère à soupe de sirop. Donc il faut bien laisser réduire. Hein. Exactement. Donc, le reste qui chante, ce beurre. Là, maintenant, vous allez chercher un beurre qui chante. Donc si vous regardez bien, maintenant, nous allons prendre tout simplement les pommes de terre et les mettre à rissoler. Ça commence toujours hein, par les ingrédients les plus longs à cuire, pour terminer par les... C'est pour ça aussi, tout à l'heure, je vous rappelais, il fallait faire les pommes légèrement plus grosses, car naturellement, elles vont deux fois plus de pressir que l'ensemble de la recette. Donc sur ce, nous allons ajouter un petit peu de sel pour saisonner nos pommes de terre. Voilà. Quand vos pommes de terre sont bien rissolées, mais pas encore cuites, là nous allons rajouter les pommes. Car sachant que, comme monsieur Richard me disait, chaque produit a une différence de cuisson. Donc les pommes de terre, bien sûr, commencent à cuire, rissolées. Et juste après, nous allons mettre les pommes pour qu'elles finissent de cuire. Et au même moment, donc, comme vous pouvez le constater, nous avons nos petites pommes qui commencent vraiment à cuire. Tout simplement rissolées. C'est une cuisson assez rapide en fin de compte. Alors, c'est une cuisson rapide sur la base, mais il faut savoir c'est que pour la cuisson, il y a quand même une petite quinzaine de minutes de cuisson des pommes de terre. Donc comme je vous disais tout à l'heure, au moment où vous mettez la caille au four, vous avez 15 minutes pour faire entièrement votre garniture. Donc si nous regardons bien, là nous avons l'ensemble des produits qui commencent à rissoler et nous allons ajouter les pommes. Ceci étant prêt, nous allons simplement les mettre au four et finir de les caraméliser pendant encore 2 minutes pour après les rajouter en dessous de la caille. Et ne pas oublier, je suppose, d'arroser de temps en temps. Alors, la caille. Exactement, c'est pour ça que au moment où vous aurez fini de faire vos cuissons, l'avantage c'est que vous irez juste arroser votre caille. Nous retirons la caille du four qui a commencé à rissoler tout simplement, et si vous regardez bien, sans aucun apport de graisse, celle-ci a réussi à avoir, grâce aux séries, son apport de graisse. Donc nous allons finir de cuire les pommes au four. Pendant ce temps-là, récupérez votre graisse et tout simplement arrosez délicatement la caille comme ceci, et là vous remettez au four l'équivalent de 5 minutes. Ce qui va vous laisser le temps de vous préparer comme petite suggestion d'accompagnement. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous avons récupéré toutes les épluchures des carottes. Qui dit épluchure dit après les avoir lavées et épluchées au préalable. Donc, nous allons tout simplement les faire frire dans une petite huile à 160 degrés du four. La caille et les pommes. À finir cette cuisson, comme ci-dessous. Nous allons prendre la caille et les rajouter sur les pommes pour qu'elles prennent une petite... Donc comme vous pouvez le voir, toutes nos pommes et toutes nos pommes de terre ont vraiment bien réduit et ont cuit au four. Donc nous allons prendre l'ensemble et tout remettre au four. Pour finir, pendant encore 2 petites minutes, ce qui va nous laisser le temps de commencer à dresser notre assiette. Alors c'est vrai que dresser une assiette, c'est important. Oui, car nous mangeons déjà avec les yeux et après avec les papilles. Comme au préalable, nous avons fait notre sauce. Ici, les petites carottes frites de départ, qui peuvent être aussi les panneaux de pommes de terre que nous disions au début de la recette. Donc nous allons sortir du four notre caille, ainsi que les pommes. Nous allons maintenant dresser la caille. Donc personnellement,